Comme en chaque début de saison, l'association Vivaldiz, dont la mission est d'apporter une logistique, des conseils, un soutien aux employés de la station et plus spécialement aux saisonniers, organise sa grande soirée d'accueil des travailleurs de l'hiver. Avec 600 repas offerts aux participants, l'association devait battre son record de fréquentation pour ce rendez-vous annuel qui permet aux saisonniers et employés de se rencontrer, de créer un tissu relationnel d'amis, indispensable condition pour bien réussir sa saison. Pourquoi être venu aujourd'hui à cette soirée des employés de la station ? Parce que c'est une habitude et c'est un bon rendez-vous en début de saison pour réussir à retrouver tous les amis et se faire de nouvelles connaissances. Et ça marche ? Ça marche très bien, ouais. T'as retrouvé des copains de l'année dernière ? Oui, des copains qui étaient sur Val d'Isère et d'autres qui n'étaient pas et qui arrivent pour leur première saison, donc ça fait toujours plaisir. Du côté des organisateurs, c'est la satisfaction de voir les saisonniers répondre aussi nombreux à cette rencontre. Pardon, bah écoute, ça va bien, hein. Il y a beaucoup de monde pour l'instant, hein. On est quand même un peu dans le jus, pour tout dire. Et c'était le but un peu de la manœuvre ? Bah ouais, c'est le but, et puis c'est super sympa, il y a bonne ambiance, donc tu vois, puis on a les déguisements, on a tout, on est prêt à accueillir les gens. Dis donc, ça représente un sacré paquet de bénévoles, hein. Ouais, cette année, c'est génial, hein. Vraiment, beaucoup de monde hier pour nous aider pour l'installation, et ces mêmes bénévoles sont revenus aujourd'hui pour nous aider à servir les gens, que ce soit au repas, que ce soit à la vente des tickets ou que ce soit au bar. Donc c'est génial, quoi. Vous êtes combien pour faire une soirée comme ça ? Voilà, je sais pas, on est bien entre 25 et 30 bénévoles, ouais. Ouais, ça fait du monde, hein. Ce fut aussi l'occasion pour les présents de découvrir et de s'inscrire aux activités gratuites que propose l'association. Alors ici, c'est l'activité hockey. Et ça marche ? Ah, ça marche du tonnerre. Ici, à cette soirée, ça te permet de voir beaucoup de monde ? Ça me permet de voir tous les saisonniers sur la station, tout ça, et franchement, de voir vraiment beaucoup de monde, ouais. Cette soirée a été mise en musique par la présence de groupes et formations musicales, avec en tête Meji, le rappeur natif de Val d'Isère. Après ce moment de convivialité collective, il n'y a plus qu'à souhaiter à chacun une bonne saison de travail, de plaisir du ski, de bien-être ici à Val d'Isère, en oubliant tous les petits tracas qui peuvent faire partie du quotidien et en se disant qu'en frappant à la porte de Vivaldiz, il y a peut-être une solution à tous les problèmes.